And the winner is... Ed Sheeran. Ed Sheeran. Les Brit Awards 2015 et le couronnement d'Ed Sheeran, le chanteur britannique de pop folk, s'est imposé. Lors de cette 35e édition, il a raflé les trophées du meilleur chanteur britannique et du meilleur album britannique avec Multiply. Ed Sheeran qui, lors de cette soirée, a interprété son titre Bloodstream, dont il vient de dévoiler une nouvelle version. Sam Smith, qui était le favori avec 5 nominations, est reparti lui aussi avec 2 trophées, celui du succès de l'année et celui de la révélation. Sam Smith qui avait déjà remporté 4 statuettes le 8 février dernier à Los Angeles lors des Grammy Awards. Cela montre que je vais pas à pas dans la bonne direction, a-t-il dit, alors merci beaucoup à tous mes fans. Du côté des femmes, la chanteuse britannique Paloma Faith, connue pour son style rétro et excentrique, s'est imposée comme chanteuse de l'année. Son 3e album, A Perfect Contradiction, avait fait un réel carton l'année dernière. But every time you think I'm begging you to stay, and when you come close, I just tremble. Every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. On continue avec le groupe de rock Royal Blood qui remporte le Brit Award du meilleur groupe anglais, surclassant ainsi One Direction. On a lancé notre duo il y a 2 ans pour rigoler et faire de la musique ensemble entre amis. C'est juste énorme. Merci. La diva américaine de la country, Taylor Swift, a été couronnée meilleure artiste féminine internationale. Du côté du meilleur chanteur international, c'est Pharrell Williams qui l'emporte. Pharrell Williams qui n'avait pas fait le déplacement. Et puis l'incident a fait le buzz sur la toile. Fidèle à sa réputation de grande professionnelle, Madonna s'est relevée et a repris le contrôle des opérations après une chute spectaculaire. Se sont également produits lors de cette soirée riche en émotions Kanye West, Take That et George Ezra.